Alors nous accueillons voilà, la première concurrente de cette épreuve Cibar. Donc l'épreuve Cibar qui est réduite à 4 bars parce que la carrière ne permet pas d'avoir les Cibar. Mais la fédération nous autorise à conserver 4 bars. La cavalière va enchaîner sur son premier parcours 4 obstacles préparatoires qui va permettre de mettre son cheval en... C'est sauvé, hein, de mettre son cheval en condition et de chauffer son cheval, de le préparer avant d'aborder la ligne, enfin le quadruple, puisque c'est 4 obstacles séparés de 2 poulets chacune. Là on a le premier donc bien franchi, le numéro 2 en vertical bien franchi. Le numéro 3, c'est la première. Le parcours donc bien obscur à 90 cm, bien super franchi. Le numéro 4, bien obscur, carré, vague, bleu, bien franchi. Et donc la cavalière va aborder la ligne des 4 obstacles qui détermine la puissance. Premier obstacle 465, deuxième obstacle 75, troisième obstacle 85, quatrième obstacle 95. Et c'est sans faute qu'on la retrouvera donc sur le prochain barrage. L'obstacle au maximum, s'il vous plaît. Anjo. Est-ce que tu peux me mettre 10 cm de plus sur le dernier, en distance supplémentaire, oui. Sur le dernier. Est-ce donc que... l'obstacle final, 1,05 m. On rallonge un tout petit peu la distance pour faciliter à bord. C'est bon? Allez, c'est parti. Et on accueille donc, on accueille Dan de nouveau. Et que si jolie de Lyons, premier passage sans faute. Donc elle a son obstacle de remise en route. Et on arrive sur la ligne. Premier bien franchi, deuxième bien franchi, un peu près. Deuxième, troisième bien franchi, quatrième. Oui, touché mais pas coulé. Ça, ça fait chier. Et c'est barrage, le départ. Bien franchi. Deuxième, bien franchi, un peu rapide. Troisième, bien franchi. Oui, c'est franchi, c'est barrage. Et bien sûr. La dernière distance a été un petit peu rallongée, le reste est pareil. Ah oui, bah elle a gagné, déjà on le sait. Maintenant, est-ce qu'elle va être rejoint? À voir avec Noémie. Noémie Lefren et Imona. Mais déjà, elle a gagné. 1,25 m. 1,25 m.